s'amusant. Salut nos amis, je vous présente le panda. Il travaille à l'unité de pompiers et il va nous raconter tout sur les incendies et les camions de pompiers. Salut! Regardez, près de moi, il y a la technique qui nous aide dans notre travail. À droite, il se trouve le camion pompier. À gauche, l'hélicoptère d'incendie. Et comment ça marche? Avant de partir pour une tâche, on complète le camion avec l'équipement spécial. On prend l'extincteur. On a besoin aussi d'un matelas de sauvetage et d'un tuyau d'incendie. Je sais, c'est un tuyau spécial pour l'eau. Alarme! Qu'est-ce que c'est? Le panneau montre quelque chose. On a obtenu un signal d'incendie à la rue du vent, Madouze. Après avoir entendu la sirène, les pompiers mettent l'équipement protecteur et entrent dans le camion. Regardez un mouton bleu sur le toit. Un lièvre appelle au secours sur le balcon. Qu'est-ce qu'on va faire? Gonflons le matelas de sauvetage pour qu'il puisse y sauter. Mais il a peur de sauter. Pour ces cas-là, le camion est équipé d'une échelle à coulisses. Sauvons le lièvre et aidons le mouton à descendre. Mais le feu est toujours ici. Pour l'éteindre, déroulons le tuyau d'incendie et connectons-le au poteau d'incendie. Ouvrons. Regardez, l'eau coule. Éteignons ce feu le plus vite possible. C'est fait. Oui, on a éteint le feu et on peut rentrer à la station. Le lièvre et le mouton sont très contents. Ils nous remercient pour leur avoir aidé. Et on a peigné le métal pour le courage. On entend la sirène à nouveau. Oui, on a reçu le signal de ce que l'inflammation a commencé dans la forêt. Il faut vite liquider les foyers du feu pour éviter l'incendie de la forêt. Mais comment on va y accéder? Il n'y a pas de route là. Pour éteindre le feu dans les forêts, on utilise l'hélicoptère d'incendie qui éteint le feu du ciel. Il n'a pas besoin de route. Plus vite, partons. Regardez, un singe appelle au secours sur le ré. Mais comment on va le sauver? Car il y a du feu partout. On lui descend une chaise spéciale de corde. Et le sauvons. Et le singe peut monter dans l'hélicoptère. On l'a sauvé. Elle est en sécurité. Il nous reste d'éteindre le feu. On va éteindre le feu à l'aide d'un équipement déversant fixé à l'hélicoptère. Les premiers foyers sont éteints, mais il y a encore un bas là. Approchons-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'eau ne coule plus? Il n'y a plus d'eau. Il faut aller à un lac le plus proche d'ici et prendre de l'eau. Plus vite, parce que le feu va se renouveler. Oh là là, combien de leurres on a pris. Revenons au lieu d'incendie. Voilà, le feu est éteint. Cool, on a sauvé le singe et on a évité l'incendie du forêt. Le travail de pompier est très intéressant. Retenez bien, nos amis, n'allumez jamais le feu dans la forêt, car l'incendie peut se déclarer.